La lettre de Jacques a toujours dérangé. Depuis l'Antiquité, il y a eu des personnes pour dire qu'il ne fallait pas l'intégrer dans la Bible. Jusqu'à Luther qui l'appelait avec mépris l'épître de paille. Alors le problème dans cette lettre de Jacques, c'est qu'il insiste avec une grande force sur l'importance des œuvres, des bonnes actions que nous pouvons faire en ce monde. Et Jacques va même jusqu'à dire que ce sont les œuvres qui justifient l'homme, que la pure et la vraie religion, c'est de visiter les personnes qui souffrent, et que l'essentiel dans notre vie, c'est la compassion. Ce point de vue de Jacques semble contraire, effectivement, au cœur de l'Évangile tel que Luther l'avait découvert avec joie en lisant la lettre de Paul aux Romains, cet essentiel qui est le salut par la seule grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part, et effectivement, il y a là quelque chose qui est au cœur même de l'Évangile du Christ. Et Luther a raison, il y a des textes qui se contredisent dans la Bible, et c'est tant mieux. La Bible n'est pas simpliste, elle offre le témoignage de points de vue très divers, et c'est un formidable stimulant pour notre réflexion, et cela montre que les premiers siècles du christianisme, le courant libéral l'emportait, prédominait. Il nous faut parfois choisir entre des points de vue différents et abandonner tel passage inacceptable, et il y en a, bien sûr, dans la Bible. Mais souvent, les points de vue se complètent et se nuancent mutuellement. Comme cette lettre de Jacques, bien intéressante, qui ajoute une touche très utile pour rendre compte de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors je vous propose d'entendre dans cette curieuse et intéressante lettre de Jacques, au chapitre 1er, les versets 5 à 26, et puis ensuite un peu plus loin dans le chapitre 2, les versets 14 à 17. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire aucun reproche, et cela lui sera donné. Mais s'il demande la sagesse avec foi, sans réticence, alors il la recevra avec abondance de la part de Dieu. Mais celui qui demande avec réticence est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe et sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a bien vite disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses projets. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de la vie, couronne que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu, bien sûr, ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par sa propre conscience qui l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, devenu à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Sachez-le, frères et sœurs bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, mais soit lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi
rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été greffée en vous et qui peut sauver vos âmes, votre vitalité. Soyez créateurs de paroles, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un est auditeur de la parole sans être créateur, il est semblable à un homme qui regarde comme dans un miroir son visage naturel et qui, aussitôt après s'être regardé, s'en va et oublie comment il est. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la loi de liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement par des œuvres, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voilà la religion pure et sans tache devant Dieu, le Père. Elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs souffrances et à se garder des souillures du monde. Frères et sœurs, à quoi bon dire que l'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi pourra-t-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et ils manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le cantique 297 dans Louange et prière. Ce cantique au Dieu des grâces éternelles, les trois strophes de ce cantique de louange, 297.
Nous prions. Ô Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit de création et de vie, afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant parole de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles et dans nos mains des gestes, qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est divin en chaque être humain. Rends-nous aussi attentifs aux besoins de nos corps, de nos intelligences, de nos sensibilités. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque de Jacques. Il avait une autorité importante dans l'Église, première Église de Jérusalem, quelques années après la mort de Jésus, car il était un des frères de Jésus. Et on le voit même fixer les orientations des ministères de ses apôtres premiers, qu'étaient Pierre et Paul. Dans ces premières années après la mort de Jésus, les chrétiens de Jérusalem restaient tellement touchés par ce que leur avait apporté Jésus, qu'ils veulent vivre par la foi seule. Et d'après ce que nous en dit Luc dans le livre des Actes des Apôtres, il semble bien que ces premiers chrétiens passaient le plus clair de leur journée en études bibliques, en culte, en repas pris en commun et en prière. Ce qu'ils offraient au monde, c'était leur témoignage, comme ce jour où, croisant un homme handicapé en montant vers le temple de Jérusalem, Pierre répond à cet homme qui lui tend la main : « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Miracle, par la puissance de cette seule parole, l'homme se met debout et est libéré. Mais les choses semblent un peu moins simples concernant la détresse des pauvres qui meurent de faim. Comme le fait remarquer Jacques dans le passage que je vous ai lu, quand quelqu'un n'a ni nourriture pour vivre, ni vêtements pour se couvrir, cela ne l'aide pas tellement de lui donner simplement une belle parole, fût-elle cette parole essentielle qu'est la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Il faut passer aux actes pour qu'il puisse se nourrir aujourd'hui et qu'il puisse se réchauffer. C'est pourquoi rapidement les apôtres de cette première église de Jérusalem nomment des hommes, puis des hommes et des femmes, diacres, pour être au service des autres dans le domaine aussi bien matériel que spirituel. Alors vous sentez ce glissement, cette prise de conscience, cette mise en perspective qui n'était vraiment pas facile finalement à vivre pour ces premiers chrétiens de la toute première église. En Jésus-Christ, ce qui les a bouleversés, ce qui a d'ailleurs bouleversé incroyablement le monde, et l'histoire en est témoin, c'est avant tout une foi et un amour. Ce n'est pas tellement le triomphe de la santé et de la force. Et ce qui a tout mis en route, c'est la bonne nouvelle de l'amour gratuit de Dieu. Et c'est cela qu'il leur faut transmettre, c'est cette annonce que quoi que l'on fasse, ou que l'on ne fasse pas d'ailleurs, Dieu nous aimera toujours fidèlement, tranquillement, avec patience. Et puis de toute façon, nous le savons bien, ce n'est un secret pour personne, le corps n'est qu'une réalité temporaire. Son importance est donc relative par rapport à cette incroyable force qu'est la vie éternelle. Notre permanence, elle repose donc dans cet amour qui nous reçoit, dont nous sommes aimés. Et puis, l'essentiel, c'est de vivre de cet amour par la foi, l'espérance et l'amour. Alors oui, ces vérités essentielles, elles forment le cœur de l'Évangile. Mais ces vérités, elles sont à projeter dans un monde, dans le monde où nous vivons actuellement. Un monde où l'homme n'est pas un pur esprit, mais où nous sommes à la fois corps et esprit, indissociablement. Alors il y a 15 jours, nous nous sommes intéressés ici au premier récit de la création de l'homme selon la Genèse. Ce texte nous dit qu'à la base, oui, nous sommes un animal. Un animal, mais que nous sommes appelés à participer à notre propre évolution, notre propre création, jusqu'à devenir à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Il serait donc absurde d'oublier que nous sommes aussi un animal, que nous sommes composés, comme n'importe quelle autre réalité en ce monde, composés uniquement d'atomes qui réagissent entre eux par des réactions chimiques. Comme le dit Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur. Le malheur, c'est que qui veut faire l'ange fait la bête, nous dit Pascal, et c'est une réalité. Notre nature, elle est à la fois un corps et un être fait pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi notre nature et notre vocation, c'est de vivre dans ce corps en étant, d'une certaine façon, un petit peu créateur à l'image, à la ressemblance de Dieu, et d'agir comme Dieu le fait dans ce texte, ce récit de la Genèse, d'agir dans ce monde, dans de multiples domaines. Premièrement, dans le domaine du sens, c'est que fait Dieu, c'est bien connu, en créant la lumière le premier jour. Mais aussi en travaillant la matière pour créer de belles et de bonnes choses, jusqu'à même développer la vie. Et c'est quand même ce que fait Dieu pendant les 5 jours suivants. Ensuite, si l'on suit toujours ce cheminement de Dieu, ensuite, en bénissant, et oui, il y a là quelque chose qui est essentiel, qui est une part essentielle de cette dynamique de création et de vie. Et enfin, comme Dieu le fait lui-même dans ce récit, en s'arrêtant régulièrement pour laisser place au repos et à la contemplation, oui, reconnaître, voir et chanter les louanges.
parce qu'il y a tant de bonnes choses dans ce monde. Alors nous comprenons aisément cette première génération d'humains bouleversés par la puissance de l'Évangile du Christ. Nous sommes également profondément touchés par cette incroyable nouvelle qui nous rassemble partout dans le monde en ce dimanche. Que nous ne sommes pas face à Dieu comme à l'usine, c'est-à-dire devant gagner notre bénédiction à la sueur de notre front, à la sueur de nos bonnes œuvres. Nous n'avons pas non plus à rembourser la grâce de Dieu, à rendre à Dieu quoi que ce soit, puisque tout ce qu'il nous a donné, il nous l'a donné de bon cœur, et donc nous n'avons pas à le mériter a posteriori en faisant des bonnes œuvres pour rembourser. Non, c'est plus cette logique. Le Christ nous a définitivement libérés de cette logique du marchandage, du donnant-donnant. Mais en le voyant vivre, Jésus-Christ, par la foi, avec une telle générosité, il nous a fait vraiment prendre conscience de notre immense dignité aux yeux de Dieu. Et il nous a fait sentir que nous sommes et que nous serons de toute façon aimés, infiniment aimés par Dieu, même si nous restions comme des bûches là, sans ne rien faire. Alors un moment de stupeur a frappé ces hommes et ces femmes de Jérusalem devant cette nouvelle incroyable, ce changement de perspective, de logique. Et oui, le temps qu'ils digèrent cette nouvelle, si je puis dire, qu'ils l'intègrent dans leur façon de comprendre la vie et de comprendre leur place en ce monde. En effet, à quoi bon agir dans ce monde ? Oui, c'est vrai, là n'est pas l'essentiel, et puis c'est fatigant, et puis oui, nous n'avons rien à y gagner en fait. Tout nous est donné par grâce, l'essentiel. Jacques, à ce moment crucial, prend la parole. Il commence, nous l'avons entendu, en évoquant la grâce de Dieu. Oui, car c'est la base fondamentale. Jacques insiste. Dieu n'est absolument l'auteur d'aucun mal. Ce n'est pas lui qui tente, il n'est pas tenté une seconde par le mal, comme s'il ne pouvait nous faire souffrir, nous tuer ou je ne sais quoi. Non, Jacques nous dit, toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut, du Père des Lumières. Il n'y a donc plus rien à craindre de Dieu. Il continuera, de toute façon, sans reproche, nous dit Jacques, à vouloir nous donner de bonnes choses. Ce n'est donc pas par crainte que nous ferons le bien, nous dit Jacques, mais simplement parce que c'est bien de faire du bien. Parce que telle est notre vocation, telle est même notre nature profonde. À l'image de Dieu, de ce Dieu qui est créateur, de ce Dieu qui vit, bien sûr, par la grâce. C'est-à-dire en faisant le bien pour le simple plaisir, la simple joie de faire du bien. Alors dans la mesure où nous sommes à l'image de Dieu, nous agirons comme lui dans ce monde. Nous agirons par grâce sans rien attendre en retour d'autre que la joie d'avoir créé du bon. Et puis nous nous réjouirons au jour le jour du bon que nous pouvons recevoir les uns des autres, du bon que nous voyons aussi. Comme Dieu, nous agirons dans toutes les dimensions de ce monde à la fois pétri de matière et dans lequel l'Esprit de Dieu est présent aussi. Nous chercherons à mettre en lumière comme Dieu, nous travaillerons la matière de nos mains, de nos actes, de nos gestes. Nous bénirons aussi, nous contemplerons, nous célébrerons les bontés spirituelles et matérielles aussi, qui sont présentes dans ce monde. Mais pour commencer, nous dit Jacques, il est bon d'écouter la parole, de la recevoir, d'en être auditeur. Il est bon d'être débarrassé de notre surplus de méchanceté, nous dit Jacques, comme si on pouvait enlever un peu le surplus, mais bien sûr, il en reste toujours un peu au fond. Et il est bon de recevoir, nous dit Jacques, en douceur, peu à peu, la parole qui sauve notre âme, c'est-à-dire qui sauve notre vitalité. Ce que Jacques appelle ici la parole, comme dans le reste de la Bible d'ailleurs, ce n'est pas une parole faite de mots, mais c'est la dynamique d'évolution qui est proposée par Dieu comme dans un dialogue. Et Jacques compare
ici, la parole de Dieu a une greffe qui permet à une souche de produire de bons fruits. Dans la mesure où la greffe prend, où nous taillons un peu ce qui dépasse, oui, une combinaison complexe peut se faire entre la nature de la souche et la nature du greffon. Et c'est ainsi que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, dans un développement de notre personnalité propre. Alors pour savoir où nous en sommes dans ce développement, Jacques nous dit que nous pouvons plonger notre regard dans la loi parfaite, c'est la loi de la liberté, dans l'Évangile. Ce n'est donc pas l'Évangile, hein, un code figé qui nous aiderait à faire le point, mais c'est au contraire quelque chose qui nous permet de nous interroger par la personnalité libre et créatrice de Jésus-Christ. Et en interrogeant ainsi notre existence à la lumière du Christ, nous pouvons voir notre image comme dans un miroir, oui, et voir ainsi que nous sommes en réalité un peu déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais aussi encore un peu une plante sauvage, encore ballottée par le chaos comme par des vagues de la mer et ayant ainsi un excès de méchanceté. Et c'est là que la prière, l'étude de la Bible et ce temps de culte que nous avons voulu partager ce matin sont utiles. Nous avons là une chance de mieux nous connaître et d'en tirer les conséquences, comme le propose Jacques dans cette lettre. Face au miroir de la parole, voilà ce que nous pouvons voir. Est-ce que effectivement je suis en train d'avancer, de progresser ? Est-ce que ma créativité et ma bonté grandissent un peu ? Est-ce qu'elles sont plus grandes que hier, que l'année dernière ? Et quelle part de méchanceté existe en moi-même ? Et est-ce qu'elle est plutôt en train de diminuer, d'être un peu moins en excès ? Et quelle part divine, c'est-à-dire quelle part de créativité, quelle part de liberté et de bonté sont réellement présentes, existent en moi ? Pour le mettre à l'œuvre peut-être, pour la permettre de s'épanouir, de se développer, d'agir. Et donc ce regard de notre image dans le miroir de l'Évangile nous permet de faire un premier bilan. Est-ce qu'il y a bien une mise en pratique effective ? Est-ce que cette parole de Dieu qui nous a été donnée, elle est effectivement active, créatrice en nous ? Est-ce qu'il y a bien une mise en pratique de cette théorie de la création de l'humain que nous avons vu dans la Genèse. Est-ce que c'est bien cela qui est en train de se développer, de prendre de l'ampleur dans mon être ? Est-ce que, comme le propose la Genèse, Dieu et moi-même, dans une saine collaboration, une respectueuse collaboration de ma personnalité profonde, nous sommes en train de créer un être, enfin, véritablement un peu humain ? Alors bien sûr, comme le dit l'apôtre Paul dans son fameux hymne à l'amour, regardant dans le miroir de l'Évangile, nous voyons tous une image un peu trouble et confuse. Car oui, nous y reconnaissons déjà un peu l'image de Dieu dans ce miroir en nous regardant nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas encore tout à fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien sûr, car il y a encore des tâches. Et nous sommes encore un peu trop petits, nous devons grandir encore, comme le disait James Woody la semaine dernière. Alors pas de panique, nous dit Jacques, c'est normal. Et puis Dieu est amour. Il ne nous en veut pas une seconde, il n'a pas de reproche, nous dit-il, sur nos manques, sur nos défauts, sur notre excès de méchanceté, sur nos tâches, sur notre petitesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, mais c'est en regardant dans le miroir que l'on peut savoir que l'on manque de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous ressent un manque de sagesse et qu'il la demande à Dieu, Dieu donne à tous, simplement, sans reproche, et cela lui sera donné en abondance. Nous pouvons ainsi ouvrir plus largement notre être à cette impulsion nouvelle de vie bonne. Nous pouvons alimenter la croissance de ce greffon par de la sève en lui consacrant un peu de temps, un peu d'attention, un peu d'espérance, un peu d'amour.
Mais peut-être qu'en réalité, nous dit Jacques, nous ne le demandons que du bout des lèvres, ce surplus de sagesse. Nous le demandons tout en restant dans le compromis ou dans la compromission. Nous restons alors, nous dit Jacques, comme empêtrés dans le chaos, ballottés de gauche et de droite comme un fétu de paille sur les vagues de la mer. Et Dieu n'y peut alors pas grand-chose, si ce n'est, comme dans la Genèse, de planer sur ces eaux chaotiques par son esprit. Le premier bilan que nous pouvons faire dans le miroir de l'Évangile est ainsi de voir dans quelle mesure la parole de Dieu est concrètement à l'œuvre, en pratique, dans notre existence, en nous, au plus profond de nous-mêmes. Et le second bilan que nous pouvons faire devant ce miroir de l'Évangile, c'est de reconnaître notre part divine et de voir si elle est effectivement à l'œuvre d'une manière créatrice en ce monde. Cette part divine, elle est faite par nature pour créer de bonnes choses, créer du sens, de la bénédiction, de la louange et du repos, mais aussi pour mettre en ordre la matière, la vie très concrète en ce monde. Notre vocation, nous dit Jacques, ce n'est pas simplement d'être un récepteur de la parole, ce qui était la première étape, mais c'est d'être nous-mêmes créateurs de paroles et créateurs d'œuvres bonnes. Il y a, nous dit Jacques, un vrai bonheur dans cet accomplissement, au point que l'on peut appeler ce simple et vrai bonheur de la gratitude. Alors dans quelle mesure sommes-nous un peu créateurs du monde ? Nous ne sommes pas simplement créateurs de bonnes œuvres, mais selon Jacques, chacun de nous a aussi une vocation d'être créateur de paroles, porteur non pas simplement de l'Évangile que nous répéterions, mais d'un témoignage qui renvoie à Dieu comme étant la source de cette auréole que l'on aperçoit quand on regarde en vérité chaque être humain, comme sur les tableaux du Moyen-Âge. Ce reflet de la grâce et de la créativité de Dieu lui-même, présente en chaque être humain. Et c'est là, je crois, que l'éthique chrétienne va plus loin que l'éthique simplement humaniste. L'athée peut aussi être créateur d'œuvres bonnes, et heureusement, même s'il n'a pas saisi ou s'il a refoulé le fait que son bon cœur et sa créativité sont les fruits de la seule grâce de Dieu. Mais nous sommes appelés à être les deux, nous, par la grâce de Dieu, créateurs d'œuvres bonnes en ce monde, très concrètement, très matériellement, mais aussi créateurs de paroles, à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. Amen.